Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 octobre, il est 8h24 et sur les marchés, c'est toujours la confusion qui règne. Nous assistons toujours à une alternance de mouvements haussiers, baissiers, sans aucune conviction, au gré des petits contre-pieds, intraday, au gré de la gestion algo qui amplifie les mouvements. Et donc, sur le fond, on a un CAC qui tourne autour des 6550 points à quelques jours de l'échéance, puisque vendredi, ce sera l'expiration des contrats. Échéance octobre, donc futur et options, c'est pareil, une échéance très importante. Et bien, on continue d'aborder ces marchés-là avec un biais baissier. Vous voyez, je ne parle pas de tendance, hein, je parle de biais dans la mesure où de tendance, il n'y en a pas vraiment. Mais les marchés sont un petit peu lourds. Donc, on privilégie la vente sur rebond. Ce que nous avons pu faire hier, moi, en ce qui me concerne, j'avais vendu ici à 40, à 47, non, à 37, vendu à 37 hier. C'était la proposition faite sur le trade du jour d'ailleurs. On a eu la possibilité donc, de se racheter, notamment dans cette phase-là, pour revendre plus haut. Et hier soir, j'ai revendu vers 6550. Bon, ce n'était pas terrible, terrible. Mais on a pu se racheter hier soir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, pour ce matin, je vais essayer de revendre vers 6560. Vous voyez, c'est là la systématisation d'un comportement et on va travailler de la sorte tant que le CAC évolue sous 6620. Au-dessus, on change un petit peu de phase, mais tant qu'on est sous ce niveau-là, eh bien, on va considérer que les probabilités de revenir en arrière sont supérieures. Bon, ben, y a pas, y, là, on a eu des chiffres d'LVMH qui ont dopé un petit peu hier soir. Donc, LVMH qui a sorti une croissance organique en hausse de 20%. Légèrement inférieur à ce qui était attendu, ce qui plombe dans l'ensemble du groupe, c'est la partie horlogerie et bijouterie. À l'inverse, ce qui tire, eh bien, c'est la division maroquinerie qui a sorti des résultats nettement supérieurs à ce qui était attendu. Donc, bon, c'est toujours les États-Unis et la Chine qui tirent le groupe. Donc, on va voir comment vont être perçus ces résultats-là. C'est vrai que hier, c'est ce qui explique cette accélération que nous avons eue, puisque les chiffres d'LVMH sont sortis à 17h45. Vous voyez par ici, ce qui a permis au CAC de sortir par le haut d'une sorte de rectangle dans lequel il évoluait depuis le début d'après-midi, même la fin de matinée. Bon, affaire à suivre aujourd'hui. Sur les actions, c'est toujours aussi particulier. Là, on a quelques valeurs qui ont fait parler d'elles. Je pense notamment à Nakone, à McPhy. Donc, Nakone, suite à l'annonce de Bolloré. McPhy suite aux annonces de Macron concernant l'hydrogène. Donc, toujours aussi difficile de trouver des idées avec de fortes probabilités de réussite. C'est-à-dire que la visibilité est tellement faible que ça se comprend. Sur le DAX, eh bien, on continue de dérouler plutôt un billet haussier. Hein, donc, on cherche à acheter sur des replis. On l'a pu le faire hier, sur le trade du jour. On a proposé un achat à 14 995. Magnifique. C'est le plus bas de la séance. Aujourd'hui, on est plutôt vers 15 035. C'est le niveau sur lequel je suis. Donc, il va falloir que ça retrace, hein, c'est sûr. Mais ça peut aller très, très vite sur le DAX, qui également hein, forme un rectangle depuis hier 11h. C'est rare d'ailleurs hein, de voir aussi peu de volatilité sur le DAX. Alors, il y a quand même 40 points entre les extrêmes, hein, c'est exploitable bien sûr, mais c'est quand même rare de voir le DAX dériver comme ça sur une période aussi longue. Donc on a une résistance autour de 150, bon, qui est validée pour l'instant. Et puis après, au-dessus, on va dire que la résistance importante se situe par là, autour des 240, 250. Pendant ce temps-là, l'eurodollar, lui, bon, ne fait pas grand-chose, toujours un peu faible. Les ventes sur rebond sont à privilégier, encore une fois. Hier, il n'y a eu rien du tout à faire, puisqu'on a eu très peu de rebonds, puis même l'eurodollar s'est enfoncé un petit peu. On voit que là aussi, hein, il n'y a pas une conviction débordante, mais une chape de plomb sur la tête pour le moment. Bon, ben voilà ce qu'il y avait à dire hein, sur les marchés. Donc, ouverture dans une grosse demi-heure. Et puis, nous, eh bien, on va entamer notre troisième journée de formation sur les indices en espérant que les marchés bougent, qu'il y ait des choses à faire, qu'il y ait plein d'opportunités. Et on en profitera également pour analyser des situations passées. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne séance, peut-être à demain. Demain, on fait le day trading live, hein. N'hésitez pas si vous souhaitez participer avec nous. Donc, matinée de trading encadrée par Jean-Louis et moi-même. Et puis sinon, je vous retrouverai vendredi matin pour notre live de la semaine. Allez, bonne séance et à plus tard. Bye.